Bonjour à tous, c'est TheMatch08 pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, une vidéo sur présentation de mode, donc la numéro 3 je crois. Donc sur un porte-engin TLS ou je sais pas quoi. Donc attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Hein. Donc, hop. Sur un porte-engin TLS. TLS. Donc voilà. Donc un porte-engin très large et très grand. Donc voilà, comme vous pourrez le remarquer. Hein. Donc voilà. Excusez-moi. Hop. Donc voilà. Donc présentation courte. Donc excusez-moi. Donc on va faire le tour. Hein. Donc là, il y a un avion qui vient de passer. Ok. Là-haut. Revenons à nos moutons. Donc voilà. Donc les gyrophares fonctionnent. Comme vous pourrez le voir. Donc attendez. Les clignotants aussi. Donc voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Pour déplier, c'est X. Pour ça, je sais pas trop ce que c'est ça, mais ouais, je sais pas trop ce que c'est, mais bon, c'est rien. Ouais. Donc voilà, donc on va aller charger la ponce Scorpion. Voilà, donc excusez-moi, j'ai un peu de matos. Hein. Excusez-moi si le son est un peu trop fort par contre. On va aller la charger. Hein. Voilà, donc comme vous voyez, elle est hyper bien placée, hyper bien adaptée. Donc franchement, c'est l'un des plus grands parce que la ponce Buffalo, donc qui est chargée, que vous voyez pas ici, l'autre ponce du jeu, donc elle rentre sur ni celle d'origine, ni celle que je vous ai présentée, ni sur celle que je vous ai présentée avant. Donc celle-là de remorque là-haut, là, que vous voyez en rouge, elle passe pas, et sur celle-là, elle passe parfaitement. Donc voilà, donc elle est vraiment énorme celle-ci, je l'adore. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Et puis sur ce, je vous dis portez-vous bien. Et puis à la prochaine.